Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver ce dimanche, déjà dimanche, demain début de semaine, en Europe, ça va commencer peut-être à bouger, un début de déconfinement, mais qui va être vraiment, vraiment fait au petit pas, comme on dit. 10, on est le 10 mai 2020, 8h12, heure du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bon, on est loin d'être sorti de l'auberge, j'écoutais un peu les chaînes euh, internationales d'information, dont euh, Euronews, entre autres à l'émission State of the Union, où on nous expliquait que ça va prendre... On parle déjà de 18 à 24 mois avant vraiment de sortir de cette crise-là. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, on vous le dit, il n'y a rien qui changera. Donc, 18 à 24 mois. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment ça va être long. Puis comment tout va se transformer. Puis, comment cette économie, qui est basée sur un vieux système industriel ou basée sur l'industrialisation qui date de 200 ans, va complètement être transformé, que tu le veuilles ou non. Le Green New Deal, dont on parle hein, chez, les études, dans, chez les Américains, les démocrates, le fameux Green New Deal, ben, ça fait longtemps qu'il est discuté en Europe, puis qu'on a commencé à installer les bases de tout ça. Puis ça va se faire, que vous le vouliez ou non, parce que c'est les événements qui l'imposent. Ce sont des événements qui l'imposent. Donc, comment ça va se terminer totalement, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que tout notre système économique va se transformer. Il a déjà commencé à se transformer. Tu as vu l'effondrement, l'érosion sociale qui a commencé. Puis le gouvernement va être pris avec tout un défi parce qu'il veut s'en aller vers ça. Puis il a pris cette direction-là, il a attrapé le ballon, pardon, au vol de cette crise actuelle pour se décider à avancer, ça a été probablement la raison mondiale du confinement. Une fois pour toutes, détruire les bases de cette économie basée sur l'industrialisation. Je suis un des seuls qui parle de ça, d'ailleurs. La plupart sont préoccupés, puis sont occupés à parler du comment, du pourquoi, d'où vient la maladie, d'où vient ceci, c'est la faute de qui. On nous cache là, c'est fake, c'est pas vrai, c'est... Parce que la majorité des gens... Elles aiment ça, perdent leur temps et se mettent la tête dans le sable. Et s'imaginent toujours être dans un scénario hollywoodien où il y a des bons, des méchants, des super-héros. Parce que c'est comme ça que les gens ont été habitués à vivre. Pendant ce temps-là, la réalité, elle, continue son petit bonhomme de chemin. Puis c'est ça, le petit bonhomme de chemin dans lequel, dans lequel on est embarqué. C'est le changement complet de notre système. Puis je vous avais prévenu depuis déjà plus d'un an. Préparez-vous, les changements sociaux, économiques, financiers, gouvernementaux s'en viennent. Je vous l'avais dit, oui ou non ceux qui me suivent sur mes différentes chaînes, vous le savez. Je vous l'ai dit. Et c'est ça qui est en train de se préparer puis de se faire. Ça se fait à une échelle internationale. Les États-Unis sont complètement isolés. Oubliez les États-Unis. Il n'y a plus rien qui tourne autour des États-Unis, sauf dans la tête de Donald Trump et des Américains de droite républicains. Pour le reste, la moitié des Américains et plus, et l'ensemble du monde fonctionnent ensemble. C'est comme le petit groupe de. On ne les qualifiera pas de rien de négatif, là, mais qui sont là à soutenir Trump, qui vivent dans une, dans une autre dimension, dans une autre Amérique, d'une autre époque, que autres qui n'ont pas sauté dans l'époque moderne. Puis dans la réalité d'aujourd'hui, qui est un drame complet et total. Donc, mis à part ces gens-là qui vivent vraiment dans une autre réalité, on s'en va dans une direction. Puis cette direction-là, c'est un changement complet du système dans lequel on vit, ce système économique qui date de plus de 200 ans, basé sur l'industrialisation, la consommation, la compétition, la compétitivité, les frictions les conflits naturellement que toute la compétitivité amène. <laughs> et tous, autant que nous sommes, on le sait que ça ne peut plus continuer. Que ce système-là a créé des injustices incroyables, a, a provoqué des dommages gigantesques et peut-être irréparables sur l'environnement, sur l'écosystème, sur... Euh, l'ensemble des cours d'eau, l'air, la terre. Écoutez, l'eau qu'on boit est complètement pourrie, l'air qu'on respire est complètement pourri, et la bouffe qu'on mange est complètement pourrie aussi. Et on ne sait plus quoi faire avec les tonnes de déchets générés par heure, dû à ce système de consommation incontrôlé, qui trop longtemps a été au cœur de nos vies. Ça ne peut plus durer. Il faut qu'on revienne à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre-là, c'est probablement du communautarisme qui n'aura pas le choix d'arriver. Je voudrais porter à votre attention que l'économie que vous avez connue jusqu'à il y a deux mois, c'est fini. Tout s'est effondré. Moi, je parle à des petits entrepreneurs. Là, ils vont tous, tous fermer leurs portes. Ils ne seront plus, plus capables de faire face à toutes les obligations sans avoir eu de clients pour venir remplir leur euh, caisse enregistreuse. Et ça, c'est mondialement que c'est en train de se produire. Donc, ça a été provoqué indirectement. C'est des conséquences du confinement. Soit on était complètement inconscient du nouveau, au niveau des dirigeants ou on savait un peu ce qu'on faisait. Ce qu'on aimerait, c'est ramener toute cette consommation-là concentrée dans certaines mains, dans juste certains, certains réseaux de distribution. Ça va impliquer beaucoup de changements, ça va amener beaucoup de chômeurs. Ça, c'est sans compter la robotisation. Il n'y a personne. Moi, j'en ai parlé il y a des mois de ça. C'est 300-500 millions d'emplois qui disparaissent depuis 20 ans, mais là, ça va être accéléré. Qui disparaissent d'ici 20 ans, on nous prédisait ça. Puis ça, c'est des. C'est pas des urluberleux qui nous prédisaient ça, c'est des gens sérieux, d'agences économiques. Puis c'est une évidence, on le voit, la robotisation. S'est hein, intensifié depuis quelques années. Parce que naturellement, c'est pas tellement difficile à comprendre pourquoi le robot, la robotisation, naturellement vient libérer l'employeur des casse-têtes de l'humain qui va lui demander des augmentations de salaire, des pauses, des ceci, des cela, qui va être malade, va vouloir des congés de maladie, des vacances, tout ça au frais de l'employeur qui refile la facture au consommateur après mais ta facture ne baissera pas même s'il y a de la robotisation par contre tu comprends donc le robot lui demande aucun aucune pause aucune heure de dîner aucune vacances, aucun congé de maladie puis aucune augmentation de salaire tu le payes une fois hein tu payes la machinerie puis après ça ben tu l'amortis puis ça ça va se généraliser donc on va se retrouver avec une société puis c'est sûrement à ça qu'on est en train de penser au niveau des dirigeants, parce que c'est inévitable. Puis la crise actuelle, on l'a attrapé au vol, puis on l'a un peu provoqué, cette chute de ce système-là. Parce que c'est la chute du système, de l'industrialisation qu'on est en train de vivre. À tous les niveaux. Au niveau, énergie, au niveau énergétique, au niveau matériel, consommation, au niveau dollar aussi. Hein, on va voir le dollar probablement papier disparaître pour se transformer en... Papier virtuel. On verra la plupart du papier disparaître aussi. Vous allez être obligé, puis c'est un peu ça qui arrive avec la, la crise actuelle aussi, c'est qu'on va vous pousser de plus en plus vers euh, la numérisation, vers les. Euh, l'Internet euh, hein, pour toutes vos transactions, pour l'école aussi. Voyez-vous, nous autres ici au Québec, puis je ne sais pas comment c'est chez vous, là, mais les écoles le secondaires, puis les collèges, toutes les universités vont rester fermées pour le restant de l'année. Puis on va faire, à partir de lundi, de l'enseignement en ligne. J'imagine qu'on est en train de préparer les gens, puis le, la population estudiantine à l'école en ligne, parce que moi, je ne le sais pas, mais si on nous dit que ça prend 18 à 24 mois avant d'avoir un vaccin, puis qu'il n'y a rien qui va nous re revenir à la normale, tant qu'on n'aura pas un vaccin, puis une médication pour contrôler cette maladie-là, si on dit que c'est 18 à 24 mois, je ne vois pas comment, au mois de septembre, tu vas être capable de retourner à l'école. Comprends-tu ce que je veux dire? Il faut que tu écoutes tes dirigeants te parler. Parce qu'ils te disent ce qui va arriver. Sans te le dire directement, ils te passent des messages. Il faut que tu sois capable de lire entre les lignes. Mais c'est sûr que si tu es trop préoccupé par envahi par euh, d'où ça vient, c'est qui, c'est quoi, c'est qui qui a fait ça, c'est fake, c'est pas fake, peut-être. Tu ne verras rien tout va te passer sur le nez, puis après ça, tu vas être encore sur le choc. C'est ça le, le drame, de ne pas être rationnel, puis de vivre dans une réalité qui n'est pas la vraie. Parce que le monde a tellement écouté de films, surtout les nouvelles générations, hollywoodiens, de super-héros, puis c'est juste ça que tu vois, juste des super-héros. Les gens pensent que la réalité, c'est comme ça. Il y a des méchants, puis il y a des bons, puis il y a des super-héros dans la vie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, on va revenir, puis on n'aura pas le choix parce que le gouvernement va être pris avec des tonnes de chômage. Il va falloir qu'il s'occupe de ces gens-là. Puis on a vu dans la crise actuelle que c'est pas un problème d'imprimer autant d'argent que tu veux avec les banques centrales. Puis c'est tout fictif, de toute façon, la valeur qu'on donne à ça. Donc, il faudra regarder. Le, le plus important, c'est que... Même si l'argent c'est fictif, puis que tu peux en imprimer autant puis donner l'impression que tu donnes un salaire au monde, puis que ça a une certaine valeur, puis que tu peux aller chez ton marchand, puis ton épicier après ça, pour échanger cet argent-là virtuel, qui a une valeur complètement, absolument, euh, qui est soutenue par absolument rien, sauf l'air ambiant. Mais c'est pas important parce qu'on a tout accepté que cet argent-là ou cet échange-là. Valait quelque chose, même si ça, ça, c'est soutenu seulement par l'air ambiant, ça fonctionne. Donc, tu peux en imprimer autant que tu veux. Le plus important, c'est qu'il faut que tu gardes le monde occupé. Parce que l'oisiveté est vraiment mauvaise conseillère, comme le dit le vieil Adam. Le vieil euh, adage pardon. Donc, il va falloir que tu reviennes à une forme de communautarisme, une espèce de service civil perpétuel. Tu vas être en service civil perpétuel parce que tu as tout une partie puis une grande catégorie une grande partie un grand nombre de la population qui pourra pas travailler qui pourra plus travailler dans ce nouveau modèle là c'est pas tout le monde qui peut être médecin ingénieur dentiste avocat ou je sais pas moi toutes les professions libérales que tu peux imaginer l'ensemble de la population la majorité 80% de la ma population est une population ouvrière manuelle pas intellectuel. Il va falloir que tu occupes ce monde-là, sinon, ça va être tout un casse-tête révolutionnaire que tu vas avoir sur les, pas, les bras. Donc, on n'aura pas le choix de revenir à une forme de communautarisme, à une forme de socialisme, enfin, qui va être là pour tout le monde. Tout le monde va être content. Tu vas avoir ton revenu de base garantie, mais il va falloir que tu t'impliques. Il va falloir que tu t'occupes des malades, il va falloir que tu t'occupes des vieux, des sans-abri, des. Ça va être ça ta tâche, parce que les robots auront pris ta tâche de production. Mais il n'y en aura plus autant, là. Tout va changer. Tu n'auras plus autant de consommation. On est dans une grande transformation. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient, ça, parce qu'ils sont trop préoccupés à vivre dans une autre réalité. Puis quand ils vont se réveiller, ça va être vraiment brutal et cruel. Donc on est en train de vivre une grande transformation probablement la plus grande transformation de l'histoire, ou une des plus grandes transformations de l'histoire, puis il n'y a personne qui voit ça, parce que c'est comme ça. Les gens sont distraits. Les gens sont, ne portent pas attention à, aux détails. On s'en va vers une numérisation incroyable. Pendant le confinement, on en a profité pour installer la 5G partout, ou presque. Parce que la 5G sera essentielle au nouveau modèle dans lequel on s'en va de numérisation. Puis tu n'as pas le choix, tu t'en vas vers ça, même si tu t'opposes à ça, même si tu t'arraches les cheveux, il n'y a rien qui va arrêter ça. Il va falloir que tu t'adaptes, c'est pour ça que j'en ai parlé depuis longtemps. Opposez-vous à rien parce que ça ne donne absolument rien. Perds pas ton temps à t'opposer, il faut que tu prennes ton temps pour t'adapter, pour rester en contrôle de ta vie, et en harmonie, ça sera possible. Parce que tu t'en vas vers ça, puis c'est inévitable. Puis on dit, que... On ne peut pas continuer comme ça. On sait que le changement est inévitable. C'est sûr que ça va venir tout bouleverser, là, chambouler le monde qu'on connaît depuis notre tendre enfance, mais c'est inévitable. Comment tout ça va se faire dans le détail, Pff, est, on n'est pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux vous dire que tu t'en vas vers c'est sûr et certain tu n'auras pas le choix à un retour au communautarisme. Tu auras probablement, comme il y aura un salaire minimum garanti pour tout le monde, qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des avocats, puis des professionnels, puis des gens de profession libérale, puis tout le monde aura perdu beaucoup, beaucoup d'emplois parce que le système économique va se transformer. On va te garder occupé parce qu'on n'aura pas le choix de te garder occupé. Parce qu'on n'aura pas le choix de te donner un revenu minimum garanti aussi pour te calmer, te rassurer. Puis pour faire ça, il n'y a aucun problème, on le sait, on peut imprimer autant qu'on veut. Tant qu'on garde la conception et l'entente la... qu'on a mutuellement tous les uns envers les autres que oui, oui, OK, il y a une valeur à ce papier-là, tout peut continuer, tu comprends. <laughs> Puis les inégalités peuvent continuer, tu vas avoir des riches pareils, là. Puis tu vas avoir l'ensemble de la population qui va être au même niveau, ou presque. Donc, il y aura moins de tension, moins de jalousie, j'imagine, je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourra te permettre toujours d'être un petit entrepreneur, je pense pas. Ou en tout cas, on va sûrement contrôler plus ton, ta forme d'entrepreneuriat, quelle sera ton but là-dedans, qu'on te demandera aussi. Parce qu'on voudra t'imposer sûrement un but social. Donc c'est tout ça qui est en train de se faire en ce moment. Puis la majorité des gens vivent dans une autre réalité parce qu'ils sont distraits et ils ne veulent pas le voir. Ou parce que c'est dans leur nature de pas être capable de lire entre les lignes, c'est pas tout le monde qui peut lire entre les lignes. D'ailleurs, l'impossible est seulement possible pour ceux qui sont capables de voir l'invisible. Puis je voulais absolument vous partager ça. Ce qui s'en vient, c'est gros, c'est la plus grande transformation que vous aurez vécue de votre vie. Il n'y a personne qui a vécu ça. Puis c'est nous autres qui le vivons puis qui allons le vivre. Mais vous êtes beaucoup de gens, la majorité, pas préparés à ça. Ça va être important de vous préparer. C'est pas la fin du monde, là. C'est juste la fin d'un monde qu'on a connu, puis on va s'adapter. Comme on s'est adapté à notre misère et aux injustices, n'as pas arrêté de vivre pour ça, ben, ce sera peut-être meilleur, peut-être pire, mais t'auras pas le choix. Il faudra que tu t'adaptes. Je vous reviens.